Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV avec Sharks Kids. Cette semaine, on se retrouve avec un focus sur notre équipe départementale U13 Garçons. L'entraîneur Sébastien Nardini nous présente son équipe. On aura aussi quelques mots de Léo, un de ses joueurs. On découvre tout ça tout de suite en images. Moi, c'est Sébastien. J'entraîne au club d'Antibes depuis 2007. Donc, j'ai eu plusieurs catégories, notamment les U15, les U13, les U11. Et ça fait une bonne douzaine d'années que je suis sur les U11. Et depuis 5 ans, j'ai les U13 départ. Donc, l'avantage d'avoir deux équipes, une équipe U11, une équipe U13, ça me permet de les suivre sur 3-4 ans et donc de développer les joueurs et le collectif sur ces équipes. Et c'est assez intéressant pour le développement des joueurs et essayer d'avoir des résultats après par la suite dans les matchs. Sur l'équipe U13 départementale, on a un groupe assez large, c'est-à-dire qu'on a 17-18 joueurs à l'entraînement. Donc on développe sur l'entraînement du lundi, on développe les fondamentaux individuels, on travaille sur les fondamentaux individuels, sur les fondamentaux défensifs aussi. Voilà. Et sur l'entraînement du mercredi, on essaie de développer un petit peu plus le collectif pour essayer que les joueurs se trouvent un petit peu plus les uns les autres et qu'ils essayent de gagner le plus de matchs possible. Bonjour, je m'appelle Léo Philippe, j'ai 11 ans, je joue en U13 DM1 au Sharks d'Antibes. Je joue au Sharks d'Antibes depuis mes 3 ans. Je peux jouer tous les postes, mais principalement je joue ailier fort. Gagner le plus de matchs, en tout cas plus que l'année dernière, s'améliorer sur le collectif. Sharks Kids, c'est presque fini. Mais cette semaine, lors de toutes les émissions, vous avez l'occasion de gagner ce merveilleux calendrier de l'Avent. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous vous abonnez à Sharks TV, vous likez cette vidéo et vous inscrivez Sharky en commentaire. Pour ceux qui ne feraient pas partie des gagnants, pas de panique, vous pouvez retrouver ce calendrier de l'Avent dans notre boutique les soirs de match ou encore en ligne avec le lien dans la description. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain épisode de Sharks Kids. En attendant, on se retrouve demain avec Sharks News. Bonne soirée à tous.